Mr. Pop. In your old toot swap, how Georgia clap, pour someone canes de l'air. Ninky pas les garçons, quand les femmes sont spiffy, tu peux être aussi avec un costume de patron diamant. Pour seulement 17.95 dollars au Via La Boutique. Bonjour! C'est 8h moins quart, mardi le 7 août. Et bienvenue à notre émission de radio. Semaine de femmes! Aujourd'hui, on a un programme spécial. On a un visiteur spécial et tout que tu veux savoir du mode, musique et tout le reste. C'est le temps pour la film de la joie. Aujourd'hui, pour tous les fans de horreur, nous avons Le Chat et le Canary avec Laura Leplan. Ouh, j'aime beaucoup Laura. Avec Laura Leplan et Forrest Stanley, ce film est excitant. Ce n'est pas un film pour les personnes faibles. C'est vous, Dolly. Me taquine pas. Je donne cette film un 8 sur 10. La film hit on all sixes. À la prochaine, c'est le film de la jour. Je suis hâte de vous introduire un visiteur spécial. Notre visiteur est une femme tellement réussie. Elle avait nous conduire à la liberté de la femme pendant la guerre. Pas battre pour le droit de voter. Elle est une femme légendaire qui est très fameuse pour les années qui viennent. Voici Nellie McClung. Merci, merci. Bonjour, je suis tellement honorée d'être ici aujourd'hui. Bien, nous sommes honorés d'avoir vous ici. Alors, comment est-ce que tu as senti quand tu avais conduit la femme de Manitoba du droit de voter? Je ne veux pas penser comme ça. Ce n'est pas moi. C'est toutes les femmes et notre puissance de battre juste qu'on avait qu'on méritait. Je suis une femme comme tous les autres. Je veux être traitée comme une personne. Wow, c'est tellement courageux. Alors, avez-vous des plans pour ton futur? Est-ce que tu vas continuer de battre pour les femmes? C'est tout dépendant de ce qui va se passer. Seulement 2 années passées, Terre-Neuve a donné le droit de voter aux femmes. Alors il y a seulement le Québec qui reste. Le pays est vraiment proche à la qualité des femmes, alors j'espère que je ne vais pas avoir de raison de changer ça encore. Wow, ça c'est tellement intelligent! Ça c'est tout avec Nellie! Alors, on va retourner après ces courtes annoncements. Est-ce que tu trouves toi-même avec un rasoir, mais pas des belles souliers? Viens au Villa Boutique pour les souliers pour les hommes et les femmes pour juste 3.95 $. Pour les hommes et les femmes, nous sommes le meilleur place de tout. Merci de rester avec nous. C'est le blurb de mode du jour. À toi, Charlie. Merci, Jolly. Aujourd'hui, nous allons regarder à la changement entre la mode Gibson Girl et Flapper et le rôle que Coco avait joué sur cette transformation. Oh wow, Madame Chanel! J'en ai juste eu un nouvel chapeau d'elle. C'est magnifique! Oh oui, j'ai tellement hâte de le voir! Maintenant, on va regarder au style Gibson Girl. Tout le monde portait des corsages et longues robes formées à leur corps et avec leurs longs cheveux placés sur la tête. Mais grâce à la grande gueule Coco Chanel et la style de garçon et chemise, la mode a changé à un plus relaxé et libre style. The Flapper. J'adore. Oh oui, j'adore oh, le Flapper. Oh. Oui, je n'avais jamais oublié les corsages. Oh, oui, c'est horrible. Maintenant, on peut danser. On peut faire comme toutes sortes de choses. Oui. Et à la même fois, nous sommes comme tellement belles. Avec comme les bijoux et les maquillages. Merci de rester avec nous. Je suis Dolly. Et je suis Charlie. Trouve tes souliers de danse pour aujourd'hui. Tu connais le foxtrot, mais est-ce que tu connais le charleston? Au premier, tu vas danser un twist simple. Après ça, la musique est très vite et c'est tout! C'est beaucoup de fun! Aussi, le nouvel club de danser va ouvrir aux rues de Charles. Cette place est le bees knees. Ah oui?
J'espère que je vais vous voir à la club où tu peux danser à cette chanson, The Gut Bucket Blues par Louis Armstrong. Merci d'écouter. Au revoir et à demain. Je suis Dolly. Je suis Betty. Je suis Rose. Et je suis Charlie. Et nous sommes les Semaine des Femmes. Thank you.